Bonsoir et bienvenue. C'est On a tout essayé. Ce soir, demain soir, vendredi soir, et aussi pour la première fois cette semaine, n'oubliez pas, nous serons là aussi samedi soir. Mais ce soir, pardon de ce soir, c'est ça qui compte, avec vous, vous aurez Pierre Bénichoux, Christophe Alévesque, Isabelle Allongeau, Annie Lemoine, Elsa Fayère et Jean-Bernard Hébé. Quelle ambiance! Je ne sais pas si c'est votre épaule dénudée qui met en émoi ainsi tout le public, chérie Isabelle. Je ne vois vraiment pas ce que ça pourrait être d'autre. Tandis que je regarde Annie Lemoine et je trouve... Pardon Annie, parce que je sais que vous n'allez pas forcément prendre ça comme un compliment, mais dans ma bouche, c'en est un. Vous êtes en train de vous christinocrentiser de façon incroyable. Oh. Alors, c'est la nasse. Eh bien, j'ai regardé hier soir, j'ai trouvé plutôt bien, moi, son émission. Ah, vous voyez, ben, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah bon, non, mais c'est bien, elle est... C'est bien. Mais Christine, il y a 20 ans, alors. Non. Puis vous êtes fait un petit, je sais pas, un petit nettoyage dans les cheveux. Un nettoyage. Oui, elle nous a lavé. Un balayage dans les cheveux. Vous avez une façon de causer aux dames, vraiment. Bah, qu'est-ce que vous diriez, vous, Annie? Non, tu t'es lavé la tête, c'est pas... Je crois qu'il est temps de passer à la photo du jour. Cette photo, c'est celle de Saddam Hussein à la une de Libération ce matin, puisqu'il comparaissait aujourd'hui pour la première fois à Bagdad devant un tribunal spécial. Et on nous dit qu'il aura à répondre d'un seul crime, deux points, le massacre de 143 villageois chiites au nord de Bagdad. Alors si le massacre de 143 villageois, c'est un seul crime, 143 crimes, ouais. Qu'est-ce que c'est le massacre d'une ville, sûrement, alors. En tout cas... Saddam Hussein risque en tout cas la peine de mort, mine de rien, mais bon, c'est pas sûr, évidemment, parce qu'en ce moment, on a quand même plus de chances de ressortir vivant en passant devant la haute cour que devant une basse cour. Hein. Un mot sur ce procès. Dieu sait s'il est indéfendable, mais il y a quand même un truc qui me choque énormément, c'est que son procès va passer à la télévision, en Irak et dans d'autres pays arabes, mais avec un délai de 20 minutes pour pouvoir enlever tout ce qui gêne les autorités. C'est un petit peu gênant et choquant. Ouais. Si on veut faire un procès, et Dieu sait s'il y a de quoi faire un procès, autant faire un vrai procès de l'ensemble du problème. Voilà. C'est-à-dire qu'on va juger lui, mais on ne va pas juger les complices. Pierre ? Moi, tout ce qu'il y a de formidable dans ce procès, c'est que dans tout ce genre de procès pour des grands criminels de guerre, Virkino, qui n'a aucune excuse, quoi. Et c'est justement toutes les précautions qu'on prend pour que le procès soit légal, ce côté légaliste. Je trouve que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire, de montrer à ces gens qui n'ont pas respecté l'homme comment nous, civilisés, nous respectons les hommes. Ouais, alors là, un petit bémol quand même, procès créé, financé et administré par les Américains. Oh oui, donc, quelle horreur. C'est les Américains qui ont financé ce procès, parce que c'est un brave type. Donc il va... Mais là, donc... Mais qu'est-ce que ça veut dire, on s'en non, fout Non mais ce mec est un salaud, mais le procès ne sera pas objectif, point. Il n'en reste pas moins que le seul point positif de l'intervention américaine en Irak, c'est ce procès. Ce procès, c'est bien qu'il ait lieu, même s'il ne va pas suffire à tout juger, évidemment. Mais c'est déjà bien qu'il ait lieu, et c'est un point positif pour les Américains. Bah, vous me rappelez la chanson, il en faut peu pour être heureux, tiens. Ah ben, on est comme ça. C'est un premier procès, il y en aura un autre, avec notamment l'extermination de milliers de Kurdes. Voilà. On passe à autre chose, la grippe aviaire sur la route de l'Italie. Ben, connerie encore, ça tient. Oh, arrête. La grippe aviaire sur la route de l'Italie, c'est le titre du Parisien. Ce matin, on voit même une photo des pigeons de la place Saint-Marc à Venise pour illustrer cette menace. Il paraît qu'à Venise, même les gondoliers ont changé leur ritournelle. Maintenant, ils chantent « Volaille, volaille » en solidarité avec le petit commerce. En attendant, il faut quand même le rappeler parce que la vente de volaille bat de l'aile. Même l'Humanité titrait ce matin ainsi. La vente de volaille bat de l'aile. Vous voyez, les ventes ont chuté de 20%. Les Français ont peur de manger de la volaille. On rajoute même François. Sur les marchés, on entend même les commerçants qui font 22 voilà les poulets maintenant. Les restaurants ont changé leur carte. On peut voir le poulet à l'estragon n'existe plus. Maintenant, à la carte, on peut lire poulet sauce Tamiflu pour rassurer le consommateur. Le poulet cuit, il faut le dire quand même et le répéter, le re-répéter. On peut en manger, il n'y a aucun risque. Oui, mais ça ne donne pas envie. Comment ça c'est pas un problème envie. De peur, mais oui, quand vous devez choisir, vous choisissez le poisson parce que tout à coup le poulet ne fait plus envie. C'est mais normal. Le saumon, il a un problème, le poulet il a un problème. Qu'est-ce qu'on va manger, des végétaux? Arrête, mais pour attraper la grippe aviaire, faut embrasser un héron sur le bec ou se taper un pigeon. Arrêtons. Je suis d'accord.
Il n'y a franchement aucune raison de ne pas continuer à manger du poulet cuit. Bon, le poulet cru, évidemment, bon, enfin, on en mange rarement du poulet cru, sauf quand on est allergique à la plume. Ah. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'est le croupion qui est dangereux. J'ai lu ça dans un article ce matin. Attention Oui, je vous jure. Attention. Il faut savoir de quel morceau de la poule on a, enfin, dans son assiette, voilà. On n'entend que ça, d'ailleurs, en ce moment, à table. Attention. C'est le sujet de discussion numéro un dans toutes les soirées en ville. Qu'est-ce qu'on dit? Ou Houellebecq, ou Houellebecq. Ah, il y en a moins, celle-là, hein. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on arrête de parler de cette grippe du poulet, on n'en peut plus, parce que d'abord la vache folle commence à être très jalouse, la vache folle. Il paraît qu'on aurait déjà aperçu des vaches qui commencent à glousser et caqueter pour qu'on continue à s'intéresser à elles. C'est vrai. Allez, on passe à l'affaire qui fait grand bruit dans l'armée française, la suspension du général Poncet, qu'on voit sur cette photo, accusé d'avoir piqué le chapeau de Jean-François Dérèque. Non, je déconne, c'est plus sérieux que ça. François nous révèle en une que c'est le président de la Côte d'Ivoire qui a demandé la tête du général au président Chirac. Et ça, franchement, fallait le faire. Un président ivoirien qui demande à un président sourd de faire parler la grande muette, le dialogue n'a pas dû être facile. Allez, on passe au football. Alors avec une belle trouvaille, c'est à la une du Canard Enchaîné ce matin, et le Canard Enchaîné nous montre que lundi dernier, à propos du match olympique de Marseille-Paris-Saint-Germain, le journal Le Parisien et son édition régionale, c'est qu'en région Le Parisien s'appelle Aujourd'hui en France. C'est le même journal avec quelques pages régionales en fonction des provinces, mais c'est quand même le même journal avec des éditions différentes. Eh bien, ils n'ont pas tout à fait titré de la même façon le score final du match. Regardez bien. Aujourd'hui en France, qu'on trouve donc en région, à Marseille par exemple, titrait l'OM enfin parce que l'OM a gagné, et le même journal qui s'appelle Le Parisien à Paris titrait dommage. Ça fait quand même le faire. Super. On ne sait pas si dans l'édition Corse du journal, le résultat du match était dans la rubrique championnat étranger, mais on ne sait jamais. Allez, on nous annonce quand même en football le retour, et ça c'est important d'en parler, le retour de Thierry Roland pour le Mondial 2006. TF1 fait rappel à lui. Ils nous font revenir Thierry Roland pour le Mondial l'année prochaine. Déjà qu'on nous a fait revenir Zizou sur le terrain, maintenant Thierry Roland en commentaire. À cette vitesse-là, on va nous annoncer que c'est juste Fontaine qui va remplacer Thierry Henry et Michel Hidalgo qui va redevenir sélectionneur. Et vu comment les Bleus jouent ces derniers temps, ils sont quand même un peu salauds à TF1 de faire revenir Thierry Roland. À mon avis, ils veulent nous l'achever, c'est sûr. Vous êtes contente de retrouver Thierry Roland, Isabelle? Mais un mondial sans Thierry, c'est un Roncevo sans Roland, moi, c'est ça que je dis. Allez, on passe au journal La Croix. La Croix qui nous parle aujourd'hui de cécifoot. Alors qu'est-ce que c'est que le cécifoot? C'est pas une partie de jambes en l'air avec l'ex de Nicolas Sarkozy, non. Le cécifoot, c'est du football non-voyant. Et ce soir à Marseille, l'équipe de France de non-voyants est opposée à l'équipe de Brésil. Et il paraît que c'est très spectaculaire à regarder le cécifoot, surtout quand les joueurs s'en prennent à l'arbitre parce qu'il a tout vu. Généralement c'est le contraire, on dit « ouais, l'arbitre est aveugle ». Là, évidemment, c'est le seul qui soit voyant. Et sérieusement, ça arrive que ça tourne mal un match entre aveugles. La dernière fois, le dernier match, il paraît qu'il y a eu 3 labradors qui ont été expulsés. Oh. Non, mais j'ai lu l'article. Ouais. J'ai lu l'article, il paraît que c'est génial à voir, que c'est spectaculaire. J'ai vu les images à la télé, un reportage sur France 2 d'ailleurs, et c'est spectaculaire parce qu'ils sont guidés par la voix de l'entraîneur. Exactement. C'est incroyable. Et les gardiens de but aussi. Et le grelot sur le ballon. Ils entendent le ballon. Mais le truc incroyable, c'est que ce sont les Brésiliens qui sont les meilleurs au monde, ça veut dire que même sans les yeux. Et puis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les footballeurs aveugles et les footballeurs voyants chez nous en France. Mais non. Le 4 octobre dernier est sorti
Une si longue quête, l'autobiographie du célèbre éditeur Robert Laffont. Dans son ouvrage, l'auteur nous retrace son parcours d'éditeur, ses rencontres avec les auteurs et quelques grands de ce monde comme Churchill, De Gaulle, Hemingway ou encore Charlie Chaplin. Une si longue quête, c'est le nom de ce livre signé Robert Laffont, un livre qui lui donne l'occasion à Monsieur Laffont de méditer et non pas de s'éditer, puisque c'est chez Anne Carrière et non pas chez Robert Laffont que l'ouvrage est publié. Mais il faut dire qu'il n'est plus vraiment chez Robert Laffont lui-même. Il a cédé évidemment sa place depuis un moment. Pour tester ce livre, on va évidemment accueillir l'un des plus grands éditeurs français, Robert Laffont. Une si longue quête chez Anne Carrière. Bon, c'est pas tout à fait un hasard le choix de l'éditeur. Non, c'est ma fille. Voilà, c'est chez votre fille. Elle a tout de suite accepté l'ouvrage. C'est elle qui me l'a demandé. Bon, il n'y a pas eu un comité de lecture qui a décidé. Non. Là, ça existe toujours dans les maisons d'édition. Ça existe, mais dans ce cas-là, c'était un peu spécial. C'était un peu spécial. Moi, j'ai un comité de lecture, en revanche, ici même, les 6 chroniqueurs qui ont tous lu votre ouvrage. Je dois dire que c'est assez curieux parce que rarement j'ai eu ce genre de résultat en donnant un livre, parce qu'on me donne une petite fiche avant, savez, pour savoir quels sont les avis des uns et des autres. Alors, j'en ai 3. Je ne vais pas vous dire lesquels tout de suite. J'en ai 3 qui disent « Très, très bien, formidable, j'ai adoré », et 3 qui disent « Oh, je me suis un peu ennuyé ». Annie Lemoine fait partie de celle ou ceux qui ont aimé ce livre. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que c'est tout simplement... Alors, ça s'appelle une si longue quête. Il manque un mot sur la couverture, mais rassurez-vous, le mot est partout dans le livre. C'est une si longue quête d'amour. Quand on a 18 ans aujourd'hui, ou peu importe, on est adolescent en tout cas, et qu'on a envie, on cherche un peu des clés pour sa vie, et bien on peut lire ça et on peut se dire « Ah, c'est une façon peut-être de mener une vie acceptable, honnête, enfin, tout ça, quoi. Pourquoi ? Parce que... C'est une vie réussie, c'est une vie pleine. En tout cas, vous nous en donnez l'impression. Et je vous fais confiance parce que je vous crois. C'est une vie qui est basée sur la passion, sur le cœur, sur les rencontres amoureuses, sur les rencontres avec les auteurs, sur ce cœur que vous dites avoir si souvent sollicité. Vous avez tout pris à cœur, tant et si bien que vous avez déjà eu 3 opérations du cœur et que vous avez le sentiment de vivre. On peut dire votre âge aujourd'hui ? Oui, bien sûr. 88 ans. 89, la dernière. Alors, beaucoup plus près de 89 que de 88. Hein. C'est génial, moi. J'ai hâte d'avoir 88 ans pour qu'on m'applaudisse comme ça. Alors, qu'est-ce qui fait ? Parce que, évidemment, là où vous en êtes, vous avez un regard particulier sur cette vie qui s'est déroulée. Et vous dites, qu'est-ce qui me rend aussi heureux aujourd'hui ? C'est ça qui est beau dans ce livre. C'est d'aimer et de ne pas avoir trahi les ambitions, l'idéal du jeune homme que j'ai été, d'avoir écouté aussi mes voix intérieures. Vous voyez, donc, je ne vais pas parler à votre place, mais j'en ai presque envie. Elle a très bien lu, c'est exactement ce que j'aurais dit. Est-ce que justement, vous avez écrit ce livre pour transmettre ? Oui, parce que j'aime les autres. Apporter, si c'est possible, quelque chose aux autres. Et ça, je l'ai réussi dans mon métier. Alors, à mon âge, plus je vis, et plus, par exemple, tenez, un jour avant, je n'aurais pas passé ce moment avant avec vous. Ici. Et comme je le passe le soir chez moi, parce que j'aime votre émission et je trouve qu'elle m'a apporté quelque chose. Elle m'a apporté la joie, elle m'a apporté cette espèce de rire spontané. Et je trouve que ça aide. Et vous ne pouvez pas savoir combien ça aide la vie d'avoir vous, de vous avoir comme ça, et d'avoir cette spontanéité. Et bien moi, c'est ça. On me parle tout le temps. Vous aurez même ça le samedi soir, maintenant. À partir de samedi prochain. Je m'aperçois que moi, en mathématiques, je ne suis pas très bon parce que j'ai été injuste avec vous. Votre bouquin est édité, en tout cas, par notre comité de lecture parce que c'est 4 qui ont trouvé très bien le livre et 2 qui l'ont moins bien aimé. Parmi les 4, Isabelle Alonso. Alors, c'est l'histoire d'un petit garçon qui perd sa mère à l'âge de 2 ans et qui, toute sa vie, va avoir comme souci, moi c'est comme ça que je l'ai perçu, de débarrasser sa vie de toutes les scories qui peuvent empoisonner la vie des gens, les ambitions, les rivalités, les jalousies, les choses stériles, pour aller vers l'essentiel. Et à l'essentiel, il y a 2 choses. Cette formidable fascination que vous avez pour la vie et l'amour des autres. Vous déplorez qu'il n'y ait qu'un mot, amour, pour définir les sentiments qu'on a pour la personne dont on est amoureux, pour sa famille,
famille, pour ses amis, etc. Tout ça, c'est de l'amour. Et véritablement, on dit d'habitude, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Eh bien, voici votre transmission. Et c'est un bonheur de lecture parce qu'effectivement, vive les vieux, ils ont trop à nous apprendre. Il faut les... Mais oui, il faut les écouter. On en a marre d'avancer. Une leçon d'humanité, hein, c'est écrit derrière. Ah, mais oui, vraiment, vraiment, c'est formidable. Elsa. Moi, j'ai adoré. Mais alors, vraiment, j'ai envie de vous dire merci parce que je trouve qu'une biographie, et je rejoins là Isabelle, qui arrive à 88 ans, quand vous avez eu une vie riche de découvertes, de rencontres, de prises de position absolument formidables, vous avez été un dénicheur de talents, vous avez été avant-gardiste, enfin, vraiment, voilà, je vous dis merci parce que merci d'avoir fait de votre vivant, en tout cas, parce que qui aurait mieux parlé de votre vie que vous-même, et j'ai eu un plaisir immense à plonger dans votre texte. Christophe Lévesque, vous aussi, hein, vous avez bien aimé ça. Oui, j'ai été impressionné, ben, c'est toujours impressionnant, parce que de l'horrible Norse anglaise que vous avez eue quand vous étiez petit à aujourd'hui, il en a coulé de l'eau sous les ponts et de l'encre sur les pages. Alors j'ai fait un peu le tour quand même, 5 enfants, c'est ça ? 5 enfants. 12 petits-enfants, 5 arrière-petits-enfants, des milliers de livres, des dizaines de collections, une guerre mondiale, le cœur qui flanche 3 fois, 3 divorces, ça, hein, vous avez prévenu. 4 mariages, des rencontres avec tous les personnages qu'on a dit. Vous n'avez pas chômé, ça, et à notre époque, c'est un luxe. Et moi, je me suis toujours posé cette question, parce que moi, qui suis beaucoup plus jeune que vous, j'ai du mal à remonter à ma petite enfance, j'ai l'impression de me souvenir de rien. Alors, est-ce que quand on avance dans l'âge et qu'on se rapproche du fleuve sans fin, est-ce que les souvenirs reviennent d'eux-mêmes, ou est-ce qu'il faut vraiment aller fouiller pour aller chercher ? Moi, je n'ai pas rien fouillé du tout. J'ai eu, au contraire... immédiatement est venu. Si j'avais fouillé, j'aurais trouvé d'autres choses en plus. Mais là, c'est vraiment, ce sont mes souvenirs et je les ai gardés. Alors, moi, je dis souvent que je suis un millefeuille. C'est-à-dire que chaque chose que je vis, je la garde. Et c'est une autre qui vient la recouvrir, ainsi de suite. Au total, ça fait un millefeuille, mais c'est bon. Jean-Bernard Hébé et Pierre Bénichoux, vous aurez compris que ce sont les deux derniers. Alors, ce sont mes opposants. Ce sont les opposants. On commence... Allez, le Muppet Show. On commence par Pierre, alors. Tout me plaît dans votre personnage. D'abord, vous dites du bien d'Oran, dont votre maman était originaire, je crois. Oui, absolument, ma mère. Ensuite de ça, vous êtes le frère d'un de mes amis qui s'appelait Pierre Lafont. Absolument. Qui était votre aîné et qui m'a honoré de son amitié à la fin de sa vie. Voilà. Et qui m'avait fait presque débuter dans son journal L'Écho d'Oran. Eh ben. Vous avez eu une vie absolument formidable, comme tout jeune homme rêvait d'en avoir quand j'étais jeune. À savoir, vous avez rencontré Hemingway, vous avez rencontré Busetti, vous avez donné sa chance à Salinger, vous avez publié Papillon, vous avez publié Le Carré. Ensuite, vous avez des phrases que j'aime beaucoup, qui sont des phrases d'écrivains, mais il y en a très peu. Une, par exemple, vous dites « On dirait qu'un patriarche a attendu en moi son heure depuis mon enfance ». Ça, c'est formidable. Cette volonté de bâtir une belle vie que vous avez eue. Cela dit, est-ce que vous auriez accepté votre livre si vous aviez été éditeur? Je ne crois pas. Car je trouve que c'est le livre le moins littéraire que je connaisse. Non, mais mon livre, justement, n'est pas littéraire. J'ai pas voulu du tout. Moi, en plus de ça, depuis toujours, je sais que je ne suis pas un écrivain. C'est pour ça que je suis un éditeur. J'ai voulu, dans ce livre, si vous voulez, à la fois montrer une vie heureuse, et c'est là en quoi là je pense que ça fait du bien aux êtres de savoir qu'on peut avoir une vie qui se termine alors qu'on est près de la mort, qu'on se trouve heureux. Et bien, mais par contre, il y a des petits moments d'amour pour moi, comme ce moment-là, et parce qu'au fond, Oran, c'est ma mère. Or, c'est l'amour de ma mère que je recherche à travers tout. Jean-Bernard Hébé. Alors en fait, moi j'ai trouvé qu'il y avait 2 livres dans votre livre. Il y a une première partie qui m'a pas vraiment plu parce qu'en fait vous êtes un premier de la classe. C'est toujours énervant les premiers de la classe. Vous faites HEC, vous faites Sciences Po, vous êtes un élève parfait, vous avez 2 ans d'avance, vous avez une mère de substitution qui vous fait faire les devoirs, mais vous la remerciez quand même de vous avoir fait souffrir parce que c'est grâce à elle que vous avez 2 ans d'avance. Vous voulez absolument arriver vierge au mariage, vous y arrivez, vous vous mariez à 23 ans, la première femme que vous rencontrez... 22 ans, oui. Oui, 22 ans, la première femme que vous rencontrez, vous lui faites tout de suite 3 enfants.
votre vie est parfaite. C'est d'un ennui. Moi, ça me fait peur. Les gens aussi parfaits, ça me fait peur. Et puis après, vous avez votre vie d'éditeur. Incroyable. Vous répondez exactement ce que je voulais faire. À 22 ans, j'ai compris que ma vie était finie. C'est exactement ce que vous venez de dire, que j'allais m'ennuyer toute la vie. Donc, j'ai balancé pour commencer une autre vie. Donc, dans votre bouquin, commence une deuxième vie qui, elle, est très intéressante. C'est votre vie d'éditeur. Oui. Alors, il y a quelque chose que je voudrais comprendre. Vous qui êtes si parfait, vous qui avez fait des études supérieures, vous savez compter tout ça, vous êtes un éditeur, vous publiez des bouquins qui se vendent à des centaines de milliers d'exemplaires, et sans jamais donner la solution, vous n'arrêtez pas de nous dire que vous avez des problèmes financiers terribles. Alors c'est quoi? La drogue, les femmes, les courses, où est le pognon? Parce qu'un éditeur, c'est quelque chose de très difficile, qui a toujours du mal. Alors quand on a un succès, on est content, mais on le perd à côté par d'autres livres qui ne se vendent pas. Une si longue quête, Robert Laffont, sa vie, son histoire. Vous nous avez gentiment dit que vous nous regardiez tous les soirs. Est-ce que c'est parce qu'à une certaine époque, vous regardiez à la même heure votre fils dans Les Chiffres et les Lettres? Ah non, parce que c'est un peu différent. C'est parce que je me sens, vous éclairez ma fin de journée. Voilà. Bon, bah c'est pas gentil pour votre fils, ça, alors. Robert Laffont, une si longue quête chez Anne Carrière. Restez encore quelques minutes, le temps d'accueillir parmi nous Jérôme Bonaldi. Qu'est-ce que vous nous présentez, Jérôme? C'est un nouveau, ça vient pas de sortir, c'est un appareil photo numérique. J'ai choisi un gros parce qu'ici on n'a que des gros, mais il y a pour toutes les bourses des petits appareils photo numériques. Je prends une photo parce que tout le monde a ou tout le monde va avoir un appareil photo numérique. Souriez, voilà. Le problème, quand on a un appareil photo numérique, c'est que qu'est-ce qu'on fait des photos? Pour les partager en particulier, c'est pas du tout évident. En gros, les photos, elles sont là. Voilà. Dans les cartes mémoire. Et on les regarde plus jamais. Bah ouais, on les regarde plus jamais. Elles sont toutes petites alors. Et là-dedans j'en mets 500 000, hein. C'est un giga de mémoire. Vous savez, il y a de plus en plus d'appareils photo numériques, y compris, regardez, dans les smartphones, dans les téléphones. Là c'est une autre type de carte mémoire. Smartphone. J'arrive comme ça avec ça dans mon portefeuille. Hey, mémé, oh, t'as acheté le nouveau téléviseur, regarde comme il est beau. C'est un téléviseur. Un téléviseur exactement comme tous les autres. Il y a derrière tous les branchements possibles et imaginables. Tout le monde parle comme ça chez toi? Pardon? Tu parles comme ça à ta grand-mère? Bah ouais, attends, si elle a acheté celui-là, il est vachement bien. Je regarde derrière, il y a toute la connectique possible. Les USB, les YB, les PCMCI, enfin tout. Et il y a un truc en plus, quand il marche, parce que là, il marche pas. Comme chaque fois. Bah, je sais pas, avant il marchait. Enfin bon, l'idéal est, regardez, il y a en plus de toutes les prises, là. Les petites cartes mémoire. Vous savez, toutes les cartes mémoire possibles, quel que soit votre appareil photo numérique, quelle que soit la marque, vous arrivez. Si les copains arrivent chez la grand-mère, les cousins de... ils prennent la photo, ils la mettent là-dedans, je vais la mettre là-dedans, et hop, vous avez immédiatement. Il y a Alexandre qui essaie de... Parce que le vrai mec qui sait faire marcher les choses, c'est Alexandre Bonaldi, il connaît rien. Bonaldi, c'est à l'heure. Escroc. C'est lui qui sait tout. C'est bon? Ben non, c'est pas bon. Ah d'accord. Mais vous allez voir qu'il va l'engueuler en plus. Il réussit à lui vous faire marcher le téléviseur et il l'engueule. Mais non, mais normalement, il y a la télé qui marche. Parce qu'il y a une aire intégrée. Tu as pris à la neige. Alors, je prends ma petite carte mémoire, je la foutis dedans. Ça accepte tous les types de cartes possibles. Bien sûr, c'est bien meilleur. Et d'un seul coup, je peux. Des fois, on arrive à avoir la cible. La mire, vous voulez dire. C'est intéressant comme programme. C'était une cible, la mire. Qu'est-ce que je fais? Vous me croyez sur parole? Ah! Il y a un truc d'un de cas. Vas-y, mon gars. XXL, mémé. Vas-y, mon gars. Oh, il a mis une carte. Il n'y a pas la carte. Oh. Bon, enfin, normalement. Il y a. Jérôme, vous faites exprès. Attention. Ok. Image. Attendez, image. Non, pas vidéo. Ok. Ah, c'est laborieux. T'as des soirées photo avec Bonaldi. Ouais.
Ben voilà, qu'est-ce qu'on a changé? Qu'est-ce qu'on a changé? Nous, on veut voir si c'est vrai, on veut voir la photo d'Isabelle et Pierre. Je vous jure, vous allez la voir. Juste, accordez-moi un instant. L'intéressant, du coup, c'est... Vous êtes beau, là? Ouais. Ça, c'est vrai, hein? Ça y est, enfin, on peut partager nos images. Enfin, c'est idiot, puisque de toute façon, on peut les voir à la télé sans mettre une carte dedans. Monsieur... Ils vous aiment pas, là! Ils sont taquins. Mais vous allez comprendre. Ça veut dire qu'il n'y a plus fini avec les technologies propriétaires. C'est bien, franchement, c'est bien, Jérôme. C'est n'importe quoi, ça se branche et ça marche. La photo, elle est là. Physiquement, je la prends. J'ai pas besoin d'ordinateur. Jérôme, ça a été laborieux, mais c'est bien. Dans le même genre, pour vous dire que la connectique, les fils, tout ça, c'est fini. Vous vous rappelez les lecteurs MP3 ? Oui. Un casque, un petit fil, ici un machin, ici la mémoire avec les piles. Regardez, dans le même genre, voilà un casque MP3 mieux. Sans fil. C'est pas nouveau non plus. Mais non, ça va avoir de plus en plus de succès parce que c'est simple. Là-dedans, il y a la pile, la mémoire, et même ça fait radio, et même ça fait Bluetooth. C'est-à-dire que ça décroche le téléphone automatiquement. C'est pour écouter de la musique dans les cordes nudistes ? J'ai trop grosse tête. Voilà. Non, ça se met derrière. C'est vrai que... Ouais. Ah, voilà qui est mieux. Voilà. Et là, je décroche mon téléphone. On entend la télévision. Et tu écoutes la radio. Alors, Mickey, comment ça va? Allez, on applaudit Jérôme Bonaldi. Et on remercie Robert Laffont. Une stylo de quête. C'est chez Anne Carrière, sa fille. Merci. Le lundi de Pentecôte, travailler, vous souvenez? Ça a été imaginé par le grand stratège politique Jean-Pierre Raffarin. On avait bossé cette année le lundi de Pentecôte. Et ça avait ça pour vocation première, de venir en aide aux personnes âgées. C'est ce qu'on nous avait dit. Des grosses sommes d'argent ont été récoltées lors du dernier lundi de Pentecôte grâce à cette mesure. Mais aujourd'hui, un député de l'Ardèche, monsieur Pascal Terrasse, se pose une question, pas dénuée de bon sens. Où est passé l'argent du lundi de Pentecôte travaillé? Les recettes générées par cette journée de solidarité devaient être normalement reversées aux conseils généraux pour venir en aide aux personnes âgées dans les différents départements français. Mais, paraît-il, personne n'en a vu la couleur. Et c'est pas parce qu'on est vieux qu'on ne sait pas compter. Alors, pour parler de ce sujet, on va accueillir tout de suite le député de l'Ardèche, Pascal Terrasse. Alors, il faut dire que c'est vous qui aviez mis en place l'APA sous le gouvernement Jospin, ou l'APA, je ne sais pas comment vous appelez. Les deux, l'APA est plus simple. Alors, l'APA, qu'est-ce que c'était? C'est l'allocation personnalisée à l'autonomie. Ouais. C'était aussi en faveur des personnes âgées. C'était un moyen de répondre à la dépendance des personnes âgées. 600 000 personnes aujourd'hui sont atteintes de maladies graves, dépendance physique, psychologique, la maladie d'Alzheimer notamment. Et donc c'était solvabiliser, en tout cas aider les personnes qui sont en situation difficile, de les accompagner pour les actes quotidiens de la vie, pour faire une toilette, pour manger, pour se changer. Alors puisque vous étiez sensible à ce sujet, j'imagine qu'après tout, quand M. Raffarin a annoncé, tiens, pour aider un petit peu les personnes âgées, pour leur amener un peu d'argent, pour amener des fonds aux maisons de retraite et autres associations qui en ont besoin, on va faire bosser tout le monde le lundi de Pentecôte, vous deviez y être plus tôt. Favorable, j'imagine. Je pense que le lundi de Pentecôte, qui était un jour travaillé obligatoire au mois de mai, a apporté de la ressource à l'État. Sauf que cette ressource, aujourd'hui attendue par les maisons de retraite, par les personnes âgées, par les conseils généraux qui payent l'APA, n'est pas là. Et donc, ça a été un peu mon coup de gueule il y a maintenant une dizaine de jours. Alors, il y a une dizaine de jours, vous avez dit, moi, on m'a promis de l'argent dans mon département et je ne l'ai pas vu, cet argent. Ben oui. Vous êtes le seul ou c'est dans tous les départements comme ça? J'en discutais avec un certain nombre de départements, la Creuse, l'Ariège et de nombreux départements en France aujourd'hui attendent l'argent. Et j'ai cru comprendre d'ailleurs, c'est un peu ce qui est surprenant, c'est qu'il y avait 600 millions d'euros, c'est quand même pas rien. 600 millions d'euros. Ouais, qui étaient mis de côté et qui dorment. Bah, moi je trouve que... Mais ils sont où concrètement? Ah ben bah, ils doivent être dans une banque, enfin ils doivent être là où on les place. Le ministre s'en souvient plus parce qu'il est atteint de la maladie d'Alzheimer. Pas le nouveau, il est jeune. Monsieur Terrasse, d'où ils viennent ces 600 millions? Je n'ai jamais compris. C'est très simple. Vous travaillez le jour de Pentecôte, oui. Normalement vous ne travaillez pas. Donc vous travaillez, c'est un jour travaillé gratuitement, d'accord? Donc vous n'avez pas un salaire pour ce jour de travail. Et en contrepartie, l'employeur va verser 0,3% de la masse salariale à une caisse qui s'appelle la CNSA. Et donc cette caisse donc, dispose de beaucoup d'argent aujourd'hui. Et cet argent, moi j'aimerais l'avoir utilisé pour les personnes âgées. Est-ce qu'ils ont versé cet argent? Ils sont obligés. Ouais. C'est une cotisation obligatoire. Ouais. Ils n'ont pas le choix là. Donc c'est 600 millions d'euros pour l'instant. Mais d'ailleurs, la caisse rapporte beaucoup plus que 600 millions d'euros. La caisse rapporte environ 2 milliards d'euros. Mmh. Jean-Bernard. Alors je pense que ce qui s'est passé là est le cas. Un cas d'école de la guignolade française
Quand, quand ça se passe mal, il y a une hécatombe, il y a une catastrophe naturelle, on n'écoute pas le médecin, le gouvernement est en vacances, brusquement il y a une hécatombe, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'on fait? On fait n'importe quoi à toute allure pour donner l'impression de faire quelque chose. On fait appel à votre bon cœur, et tout, à tout le monde. Ouais, d'accord, le bon cœur, on ne va pas travailler, tout ça. Un an après, au moment où il faut le faire, il n'y a plus personne. Et pendant ce temps, les entreprises, elles, on ne leur demande pas leur avis, on les taxe automatiquement de 0,03 et les entreprises payent. L'État prend l'argent et effectivement, il ne le redonne pas. Ils nous ont fait le même coup récemment avec l'essence, où on va nous redistribuer, soi-disant, l'État ne gagnera pas d'argent sur l'augmentation d'essence. C'est exactement la même chose. Là où je suis un petit peu inquiet, monsieur, c'est que j'aurais aimé entendre les ténors de l'opposition et non pas un député de base faire ça. Parce que c'est un vrai. Excusez-moi. Du tout un député de base et ensuite de ça. Mais laisse-moi ton numéro, tout ça, c'est la photo communiste. Allez, ne me pas que c'était la photo communiste. C'est pire qu'à la sortie. Alors, monsieur Terrasse. Tu travailles ce dossier, voilà. Merci. Alors, est-ce qu'il a raison? Est-ce que c'est vrai qu'on ne devrait pas entendre là-dessus et François Hollande, ou peut-être même le chef de l'opposition, François Bayrou? Vous avez raison. J'ai pu comprendre que d'ailleurs, hier, on avait entendu largement Laurent Fabius et François Hollande s'étriper sur les plateaux parisiens, et peut-être qu'on ferait bien de les entendre justement sur des sujets qui intéressent les Français. Annie. Eh ben moi, je trouve formidable qu'effectivement, il y ait un député du Parti Socialiste qui vienne sur ce plateau pour dire des choses très concrètes, et effectivement, comme vous dites, proches des Français, parce que quand on voit Jospin, Fabius qui parle d'autre chose, les combats de chefs, on a envie d'entendre des gens comme vous, des représentants du peuple, qui prennent à bras le corps des problèmes très concrets. Donc merci beaucoup. Alors vous allez voter pour qui? moi justement, je ne suis ni dans le camp de Laurent Fabius, ni dans celui de François Hollande. Non, je vous êtes pour les personnes âgées, vous êtes pour Jospin plutôt, vous. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Pourquoi pas? Non, je suis avec Vincent Peillon et Arnaud Montebourg. Ah, nous sommes la sagesse, les jeunes. Ah voilà. Nous sommes la sagesse. Oh là là, oui, c'est pour ça. Vous avez voté non à l'Europe? Pas du tout. Notre courant n'appelait pas à voter non. Nous avons voté non à l'intérieur du Parti Socialiste et ensuite nous en sommes tenus au vote majoritaire, absolument. Voilà. Nous sommes déjà sérieux, monsieur. Christophe. Moi, dès le départ, j'avais dit que c'était une connerie, ce truc-là. Donc, je suis pas étonné du tout. C'est encore un nouveau prétexte pour toucher les gens. En plus, on les fait culpabiliser. Ouais. C'est-à-dire, on leur dit c'est pour les vieux, pour les handicapés. Donc, ceux qui étaient contre le lundi de Pentecôte, tout d'un coup, on fait « Oh, tu n'aimes pas les vieux et les handicapés, tu es méchant !» en fait, ça, c'est pour faire passer la pilule qui, comme on le voit, s'est transformée en suppositoire. Donc, Il y a une chose quand même qu'il faut dire pour pas qu'il y ait méprise auprès des téléspectateurs, c'est qu'évidemment, il n'y a personne, il n'y a pas un homme politique qui a mis cet argent dans sa poche. Non. Ce qu'il faut bien dire, c'est que l'argent qui devait être distribué aux conseils généraux pour venir en aide aux personnes âgées, cet argent-là, a priori, il a été comblé un peu le trou de la sécurité sociale. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le voir, la réalité. J'essaie d'être optimiste. Bien sûr. J'essaie d'être optimiste sur les gens, qu'ils soient de droite, de gauche, du gouvernement ou de l'opposition, qui régissent cet argent. Je pense que c'est une de ces lenteurs administratives dont tu parles. Tu parlais avec quel talent. Alors, c'est que l'année prochaine. Et que l'année prochaine, il y en aura. Alors, en tout cas, vous avez osé dire l'argent promis par le gouvernement n'est pas arrivé. Ça date quand même du 12 octobre. Hein, cette déclaration, moi, je l'avais lue dans le Parisien. Et je m'étais dit, quand j'ai lu ça le 12 octobre, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus d'une semaine maintenant, je m'étais dit, ça va faire un bruit énorme. Ça va être repris partout. Les politiques vont s'en emparer. On va se battre là-dessus. Et depuis, pouf! Plus rien. C'est comme si, vraiment, c'était un coup d'épée dans l'eau, votre coup de gueule. Pourquoi? Pourquoi? Quand même, il y a la France entière, quasiment, qui a accepté, par des accords d'entreprise, d'accepter de travailler ce lundi de Pentecôte, pour que cet argent aille au département et en faveur des personnes âgées. On nous dit, vous nous dites que c'est pas le cas, puis personne ne dit rien. Ça n'est plus un sujet d'actualité, je le regrette. Par contre, le sujet reviendra, évidemment, je pense rapidement, parce que j'ai cru comprendre que le gouvernement voulait revenir sur le lundi de Pentecôte, parce qu'au bout du compte, un certain nombre d'études ont démontré que... Ah, ça serait génial. On va être payé double le prochain lundi de Pentecôte, ils vont nous rendre l'argent. Je ne suis pas certain, mais moi, je pense que... Fermer des maisons de retraite. aujourd'hui, quand on fait l'analyse de ce jour travaillé, il y a eu des incidences sur l'activité économique, notamment touristique, parce que c'était le seul lundi qui était attaché à un week-end, enfin, comme tous les lundis d'ailleurs, mais qui était pour le coup, qui était sur 3 jours, c'était un pont, et économiquement, pour l'activité touristique, c'était utile. Et aujourd'hui, certains démontrent que la baisse de l'activité touristique
due à cette suppression du lundi de Pentecôte a été très coûteuse pour les finances publiques et notamment pour la TVA. C'est ça la réalité aussi. Ça coûte plus que ça ne rapporte finalement. On peut dire ça. Bravo Raffarin. On va vous remercier Monsieur Pascal Terrasse qui a été très clair sur ce sujet. J'espère qu'on aura des informations très vite. Merci à vous. Merci à vous. Député de l'Ardèche, bon retour dans votre région. Notre dernière invitée pour ce soir, c'est une chanteuse au talent et à la voix exceptionnelle. Elle a une voix en or, elle est rousse comme Axel Red, québécoise comme Céline Dion et beaucoup d'autres. Elle porte le même nom de famille que Stevie. Bon, voilà autant d'indices qui vous auront permis de reconnaître Isabelle Boulet. Lundi dernier, l'interprète de « Je t'oublierai », « Un jour ou l'autre », « Une autre vie » ou encore « Parle-moi » a sorti « Du temps pour toi », un album live tiré d'une grande tournée internationale qui a eu lieu l'année dernière. Et dès le mois de novembre, vous pourrez en plus avoir le DVD de cette tournée « Du temps pour toi ». C'est aussi la première chanson single extraite de cet album qui porte donc le même titre. Accueillons tout de suite Isabelle Boulet. Je vous embrasse. Elles sont bon. Du temps pour toi, c'est une nouvelle chanson. Oui. En revanche, sur cet album live, puisqu'il s'agit de l'album de votre tournée, on retrouve évidemment des grands succès, aussi quelques chansons des autres, puisque vous aimez ça aussi, chanter les chansons des autres. Des duos aussi, de prestige, comme c'est écrit dessus, mais c'est vrai que ce sont des duos de prestige, parce que c'est quand même Julien Clerc, Charles Aznavour et Johnny, j'allais oublier Johnny, et Johnny Hallyday. Mes camarades vont réagir évidemment dans un instant, mais avant, regardons en ensemble, du temps pour toi. Vous parlez québécois. Voilà. Tellement de vent dans mon dos, tellement de points cardinaux. J'ai maintenant du temps pour toi. Maintenant du temps pour toi. Maintenant du temps pour toi. Maintenant tout le temps pour toi. Du temps pour toi, Isabelle Boulet. L'album live en attendant le DVD. Annie Lemoine, c'est la meilleure. Oh, mais vraiment, vraiment, quelle voix extraordinaire. Moi, je vais être très directe, comme d'habitude. Merci. Pourquoi vous pensez ne pas avoir le succès que vous méritez? Il y a Céline Dion, il y a Lara Fabian, il y a des gens qui sont plus connus que vous, qui, j'ai l'impression, dont on parle davantage, mais vous méritez, si ce n'est autant, presque plus d'être, vraiment d'être, mais c'est vrai, alors pourquoi, c'est quoi une histoire de... Ça va, c'est pas mal. C'est pas mal, mais je veux dire, non, mais Isabelle Boulet, c'est un nom, c'est une voix, les gens viennent vous voir, ça marche, vous vendez des disques, mais ça pourrait être encore mieux, mais c'est sûr, vous n'avez pas la place que vous devriez avoir. Mon Dieu, c'est quoi, je vous prends pour travailler avec moi. Il n'y a pas un problème de marketing, il n'y a pas un truc comme ça. Changer d'agent, Non, c'est que, en fait, j'ai une nature aussi assez très réservée, donc probablement que c'est aussi un peu à cause de ça. Je me trouve très comblée. Évidemment, bon, si ça pouvait être encore plus, pourquoi pas. Céline Dion, elle a eu René, ça a beaucoup fait parler. Lara Fabian, elle a eu Patrick Fiori, ça a beaucoup fait parler. Il vous manque un homme. Oh, j'en ai un. Oui, mais un qu'on connaisse. Un qui vous embrasse sur un plateau, qui s'en va, qui se déchire, ils reviennent, c'est fini, ils en ont fait un deuxième, ils peuvent pas en avoir, ils en ont acheté un, enfin, des trucs, quoi. C'est ça qui manque. En tout cas, ça c'est de l'or, hein, vraiment. Isabelle, allons-y. Isabelle. Alors moi, je ne sais pas si on vous a déjà dit ça, peut-être qu'on vous l'a déjà dit et que c'est pas du tout original, mais moi, la personne à qui vous me faites penser, toute distance considérée par ailleurs, c'est Édith Piaf. Oh, ben, parce que vous êtes d'abord ce petit bout de femme qui contient toute l'émotion du monde, et je trouve que vous avez ce genre de voix, cette voix absolument extraordinaire, où il y a cette petite faille qui met de la tristesse dans les chansons gays et qui met de la joie dans la tristesse. Et ça, ça c'est universel, c'est magnifique et ça fait de vous la personne la plus bouleversante pour moi depuis Piaf. Alors c'est tout ce que j'ai à dire. Pierre Bénichou. Écoutez, après ce concert de louanges, moi je vais sembler bien pâle. Non, mais je dois vous dire que je vous trouve que, comme disent les jeunes maintenant, vous envoyez grave, comme on dit. Elle envoie grave. Non. Vous êtes absolument formidable. Et en plus, vous dites comment vous avez commencé à chanter à 7 ans. Et vous dites une chose bouleversante. Vous dites, à 11 ans,
J'ai eu envie d'arrêter le métier. Vous avez fait vos adieux au musical à 11 ans? Non, c'est qu'en fait, à 11 ans, c'est là où, bon, on perçoit les jugements des autres sur nous-mêmes. Et à cette époque-là, j'avais l'impression que j'étais devenue comme une bête de cirque. Donc, les gens venaient me voir chanter et j'avais déjà ce malaise-là. Et je ne voulais pas chanter de cette façon-là. Je ne voulais pas faire le métier pour ces raisons-là. Donc, voilà, c'est peut-être ce qui est... Jean-Bernard Hébé. Attention, c'est le plus critique d'entre nous. Non. Bon, moi, je ne suis pas bouleversé par votre voix parce qu'elle est justement trop parfaite. Excusez-moi de vous dire ça. Je trouve que vous avez la voix assez parfaite et je trouve qu'elle manque parfois un peu d'émotion. Ah, mais non, justement, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est votre point de vue, ce n'est pas le mien. Bah, vous vous trompez parce que vous n'avez pas de cœur. Avec Johnny, vous chantez tout au bout de nos peines et vous avez dit un jour à un journaliste, « Johnny, je l'aime comme un frère. Comme moi, il chante pour ne pas être seul. Ouais. » Vous chantez pour ne pas être seul? Évidemment. Ben, c'est... faut pas se cacher que quand on fait un métier comme celui-là, bon, on a envie d'être validé par les autres. Parce que quand on est sur scène, on partage ça avec les autres. C'est on le espère thème de, que le... du temps pour toi. Oui, exactement. Qui est une chanson. Ben voilà, c'est une chanson qu'on avait essayé de faire. Un peu de temps pour moi. Avec plaisir. Ah ben vous dites oui en plus. Mais j'attendais pas le contraire. Il faut dire que le type est au Canada. Non. Il est pas au Canada. Ah bon, il vous suit. Ah ben il est avec moi là. J'ai cette chance immense. On la verra au cinéma. Non mais je pensais pas que c'était du temps de ce genre-là. Donc, bien sûr. Il n'y a qu'un genre de temps. Christophe Lévesque. Alors, Madame Boulet. Monsieur. Ça fait bizarre de dire Madame Boulet, c'est vrai qu'on imagine mal Stevie marié. Appelez-moi mademoiselle, c'est bon. Alors, moi, j'ai trouvé quelques déclarations que vous avez faites. Alors, allez-y. Vous dites Johnny, je l'aime, que disait Laurent tout à l'heure, je l'aime comme un frère, hein, vous ne faites pas votre âge. Et après, vous parlez de votre amoureux. Alors, vous dites, la première fois que nous sommes sortis ensemble pour aller au cinéma, il m'a embrassé dans les cheveux. Ce geste bienveillant m'a profondément touché. C'est marrant. Ouais, j'ai pas fini. Et puis après, vous dites, c'est quelqu'un que j'aime de plus en plus et que je trouve de plus en plus beau chaque jour. Alors, ça tu peux pas comprendre. Non, mon amoureux n'a jamais été attiré par la célébrité. Il m'aime comme une femme, je l'aime comme homme. Voilà, il peut pas comprendre ça. Il adore avec quelqu'un, être bien dans un même espace, c'est le rêve. Enfin bon, n'en avez pas marre de dire des conneries? Non, mais je sais, mais il y a beaucoup de cynisme par rapport à l'amour. Et ah là, bon, vous l'avez c'est dit... C'est ce que je dis toujours. Non, mais c'est vrai. Du temps pour toi, c'est l'album live. En attendant le DVD qui sortira en novembre. Vous allez en plus pouvoir repartir, Isabelle, avec un de ces trois albums. Mais avant de décider lequel, écoutez par exemple Jean-Bernard Hébé qui va nous dire quelques mots. On commence par Franz Ferdinand. Alors, Franz Ferdinand, c'est évidemment le nom de l'empereur qui a été autrichien, qui a été assassiné à Sarajevo en 1914 et qui a déclenché la Première Guerre mondiale. Mais ce n'est pas lui qui chante. Non, pas vraiment, mais ça c'est un groupe d'Écossais absolument prodigieux qui ont réinventé le rock des années 80 en le faisant le rock de 2005. C'est très moderne, c'est très drôle et c'est très, 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 très bien. Do you want to? C'est le titre du single extrait de l'album You Could Have So Much Better. C'est vous, elle, en canadien. Je l'ai fait avec l'accent de Franz Ferdinand, l'Autrichien. Oui, voilà. On regarde. On a envie de danser. Ah, mais... Parfait. Un petit mot chacun, Annie Lemoine. Ça cogne quand même, non? Ouais. C'est un peu rappeux, non? Christophe? Rappeux, c'est du rock. Non, génial, 19 sur 20. Isabelle? Ah ouais, moi aussi, j'adore, vachement bien. Pierre? J'ai pas mérité ça. Elle passe à Catherine, de son prénom Philippe. Hein. Catherine, c'est son nom, Philippe Catherine. L'album s'appelle Robot après tout. La première chanson, 100% VIP. Je propose qu'on regarde d'abord un extrait du clip avant que vous en parliez. Hein. VIP.
Bernard. Alors, ça fait partie de ces chanteurs qui sont des... Enfin, c'est pas une révélation, parce qu'ils chantent depuis très très longtemps, ouais. Mais qui sont des chanteurs dadaïstes. Il est belge. Oui, il chante pour lui, hein. Non, pas vraiment. Je suis sûr que ça va être un énorme succès. Ça a beaucoup d'humour. Et je pense que, notamment ce titre, ça va marcher dans les boîtes de nuit. Du siècle. Ah, mais pas du tout. Isabelle Alonso. Non, moi je dis que ça ne s'écoute pas, ça se regarde. C'est l'inventeur du slip vidéo. Oui, c'est ça. Tout à fait. C'est n'importe quoi. Non, non. Alors moi j'adore ça. Je trouve que musicalement, c'est impeccable. Mais c'est nul, on s'en fout. Visuellement, je trouve qu'il y a une sorte de mouvement, hein. Mais moi je trouve que c'est bien, il y a un vrai décalage, c'est drôle. Et alors évidemment, si on n'accroche pas. C'est du tronc. Mais non, c'est pas du tronc, c'est pas du tronc. C'est l'escroquerie du siècle. Si je deviens réactionnaire et vieux, je crois m'entendre. Passons à Stevie Wonder, ce sera mieux. Là, je vais vous mettre d'accord, tout le monde va être mis d'accord. C'est le nouvel album de Stevie Wonder qu'on attendait depuis extrêmement longtemps, qui s'appelle A Time to Love. Alors, vous avez pu reconnaître sur la pochette, c'est lui qui a dessiné le logo, bien qu'aveugle. Donc, Time, il a fait une montre, tout le chiffre 2 et l'amour, le cœur. A Time to Love, c'est du Stevie Wonder. Le problème de Stevie Wonder, c'est que ça fait tellement longtemps qu'il fait des choses tellement bien et il a été tellement copié que maintenant les jeunes générations, en entendant Stevie Wonder, vont dire « Ah oui, il a copié sur Jamiroquai !» Oh non, voilà. Ils n'iront pas jusque-là. On regarde Stevie Wonder. C'est le titre de la chanson, l'album Time to Love. Stevie Wonder, Annie Lemoine. J'adore, c'est vraiment bien. À l'évêque. Oui, pareil, c'est le mieux placé pour faire du Stevie Wonder. Isabelle Alonso. Eh bien, moi, j'ai trouvé que c'était du Stevie Wonder très surprenant parce que j'ai trouvé ça méga chiant. Elsa. Moi, Stevie Wonder, c'est ma vie, même si je trouve que le premier extrait de son album n'est pas le meilleur. En tout cas, je trouve qu'il est incomparable dans le milieu de la musique. C'est ma vie, je me réveille Stevie Wonder, je me couche Stevie Wonder, non, je mange Stevie Wonder. Il y a aussi ton mari, tes enfants, tout ça. Ça c'est secondaire. Vous choisissez lequel des trois, Isabelle Boulay? Franz Ferdinand. Et celui-là, je vous le laisse. C'est gentil, merci. Pas folle quand même. Franz Ferdinand, voilà merci. Pour Isabelle, je garde le vôtre, c'est déjà ça. Du temps pour toi. Encore un peu de temps pour nous. Avec le qui a vu quoi? Allez, je vais vous aider, Isabelle. J'espère. Pour essayer de découvrir ce qui se cache derrière les photos que je vais vous montrer. Pour l'instant, c'est toujours Emmanuel DeVos et Lambert Wilson qui ont été les invités les plus brillants avec 3 points. Le classement, vous regardez. Ah, l'évêque, hein, est près de, près de Jean-Luc Lemoyne. Vous pouvez peut-être passer numéro 1 ce soir, Christophe. On va aller dans le bas du classement. Personne ne va me doubler. Voilà, Jean-Bernard Hébé, depuis début septembre, 0 points. La tête à Toto, Jean-Bernard. C'est chic. Bon, ben, je serai plus à l'aise, alors, c'est bon. On y va, première photo. Qui parle à ce tennisman espagnol? Tu sais? Le propriétaire. Zidane. Zidane, bonne réponse de Christophe Alébert. Évidemment, hein. Christophe, encore une bonne réponse et vous êtes en tête du classement. Arrête. On est content. Hey, hey, le suspense. Fais-moi des signes, fais-moi des photos suivantes. Ah, on a mis 2 petites taches d'encre bleue pour cacher quelque chose. Quoi? Des individus qui sont dans la foule et qu'on devrait reconnaître. Alors, d'abord, c'est quoi cette photo? C'est l'équipe Victor qui dit bonjour aux gens qui reviennent de Chine et qui ont été champions du monde. Mais non, c'est la victoire d'Alonso, c'est le dernier grand prix de Formule 1. Et dans cette équipe, on a caché 2 personnes. Pourquoi? C'est nous qui les avons cachés. Parce qu'elles ne devraient pas être là. Non. Parce qu'on les connaît bien, bien, bien. Non, on sait pas ce qu'on les connaît. Je ne suis même pas capable de vous dire leur nom. Regardez bien cette photo, il n'y a rien qui vous... Ah mais nous, on est déjà bigleux. C'était des femmes. C'était des femmes. Bonne réponse. Bravo Isabelle Boulay. Exactement. Bravo, bon esprit d'édition Isabelle Boulay. Un point bien mérité. On est ravis de la première place. Photo suivante. Qui fait la une de Point de Vue cette semaine? De Turckheim. Charlotte de Turckheim, non. Une reine.
Une reine, oui. C'est une vraie reine ou c'est une fausse? Ah, bonne question, Isabelle Alonso. C'est une fausse reine. C'est une fausse reine. Une reine de la nuit. La reine des connes. Non, pas de régime. Le Mercier, Valérie Le Mercier. Non, pas Valérie Le Mercier. Ça aurait pu, bonne idée, puisqu'elle va effectivement être à l'affiche d'un film Palais Royal. On n'a pas le droit d'avoir des reines. Mais pas tout à fait reine encore. C'est la femme de Charles. C'est une femme? C'est une femme. Ouais. Ça y est, Jeanne Moreau. Jeanne Moreau, bonne réponse de Christophe Lemaître. Et ça, fallait le trouver, ça. Hein. Christophe Lemaître passe en tête. Du kick. Il rejoint, attention. Vous n'êtes pas tout à fait en tête, vous êtes à égalité avec Jean-Luc Lemoine. Mais il reste une dernière photo. Et comme Jean-Luc n'est pas là. Vous savez? Oui. C'est le nouveau le personnage du nouveau film de Tim Burton. Tim Burton, ouais. Pas du tout. Non. Attendez. C'est les oies des migrateurs une fois qu'ils ont été brûlés. Non. Jean-Bernard Hébé, vous devriez savoir, Jean-Bernard Hébé. Jean-Bernard Hébé, vous avez zéro point, ce serait l'occasion de marquer un petit point. L'affiche du nouvel album de Jamiroquai. Michael Jackson. Pardon ? L'affiche du nouvel album de Jamiroquai. Alors, nouvel album, mais pas de Jamiroquai. De Michael Jackson. De Jackson, Michael Jackson. Non. David Bowie. Non. Alors, les nouveaux albums sortis cette semaine. Attends, cette semaine, je réfléchis. Et qui devrait bien. Ah, mais si, je reconnais la coiffure, Benjamin Biolay. Non. Attends, cette semaine. Pas du tout. Jean-Bernard, enfin. C'est pas M. Je sais pas. Moi. Ça fait 25 ans qu'ils sont ensemble. Crime. Non, 25 ans. Stone Chardin. Un groupe qui a fait un malheur dans les années 80, il continue à faire un malheur. Français. Dépêche Mode. Du kick à Vicky, kick à Vicky. Vous avez mérité l'album. Ouais. Oh. Et les compliments d'Isabelle Boulet, du temps pour toi en DVD live. Merci Isabelle. Le DVD sort. Le DVD sort le mois prochain en novembre. Pour l'instant, vous avez le CD live. Merci Isabelle. Merci. À demain et bravo Christophe.